Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du lundi pour tous les amoureux du cyclisme, le bistrot du vélo avec un menu une nouvelle fois copieux, alléchant, qu'on va découvrir tout de suite, un assortiment de tapas et oui, l'Espagne encore une fois, troisième semaine de la Vuelta qui va s'ouvrir, des Cochido Montañés de Santander, on en parlera avec notre invité, c'est le plat local puisqu'on est en journée de repos à Santander et la gourmandise de Normandie, on n'oublie pas les racines de notre invité. Notre invité, c'est Mika Schérel qui est à l'aube de la retraite. Mika Schérel qui participe à son dernier grand tour, son 19e, sa Vuelta. Salut Mika, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien, merci. Un habitué du bistrot vélo, Mika Schérel, plusieurs participations, journée de repos, on le disait, sur la Vuelta. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait, comment tu as vécu surtout ces deux premières quinzaines de ton dernier grand tour en carrière professionnelle? Ben, je dois dire que ce n'est pas le plus simple. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement intense. L'allure est très rapide tous les jours. Et bon, ça ne se passe pas comme je l'avais tout à fait imaginé. Mais voilà, il reste une belle et grosse semaine. Et bon, forcément, la motivation est au rendez-vous. Voilà, j'étais un petit peu affaibli par, ben, comme beaucoup dans le peloton, Ouais. par des petits trucs, des petites choses. Mais. Bon, voilà, je suis en dernière année, ma dernière compétition, et je relativise ce genre de choses. Je compte me battre jusqu'à la ligne d'arrivée à Madrid. Et voilà, la condition était très bonne à l'aube de cette Vuelta. Et bon, je bataille avec mes armes depuis, pas forcément à 100%, mais j'ai bon espoir que ça revienne là, dans les prochains jours. On Enfin, l'espère pour avant toi. Madrid, j'espère. Ouais. On l'espère pour toi. On vous le rappelle, c'est votre émission, le Bistrot du Vélo. Vous savez, vous pouvez participer, poser vos questions à Mickaël Schérel via le live YouTube sur le site Eurosport. On en sélectionnera quelques-unes. Il y aura le podcast également. C'est votre rendez-vous vélo. On va voir la fiche invitée. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne sont pas initiés au cyclisme, il n'y en a pas beaucoup dans le Bistrot Vélo. 37 ans pour Mickaël qui avait démarré cette carrière en 2006-2007 à la Française des Jeux avant de rejoindre le contingent de la formation AG2R La Mondiale qui est devenue depuis AG2R Citroën professionnel, donc depuis 2007, 19e grand tour au compteur pour Mickaël Schérel. Est-ce que tu réalises, Mika, que bah, tu es dans ta dernière saison et que dans quelques semaines, c'est terminé? Tu réalises ou pas encore? Non, pas encore. Non, je pense que je réaliserai pleinement lors de la dernière étape à Madrid. Pour le moment, bah, comme je le disais, la course est tellement intense qu'il faut être pleinement concentré sur tout ce qui se passe. Et puis, voilà, penser à l'après, anticiper les choses, c'est pas le moment. Je pense que voilà, la course demande beaucoup de ressources psychologiques et physiques. Et pour le moment, je vis les choses au jour le jour et j'espère briller éminemment et je penserai à la suite quand le temps viendra. Particulier quand même ce début de dernier grand tour, ce début de Vuelta. On a souvent parlé, nous, sur Eurosport, d'un faux départ, Mika, avec d'une part des conditions météo très compliquées, ce contre-la-montre par équipe inaugural à Barcelone sous la pluie, presque dans la nuit, et puis les jours qui ont suivi, ces décisions de la part des organisateurs de neutraliser des portions. Comment toi, avec toute cette expérience, tu as vécu ça, tu analyses ça? Ben, la Vuelta, c'est une grande organisation, mais je pense qu'il y a des impondérables, notamment liés aux conditions météo, qui ont été là, présents, en défaveur de l'organisation, avec de la pluie, un crépuscule qui est arrivé beaucoup plus tôt que prévu lors du chrono par équipe. Je pense que voilà, le timing était ainsi établi et toutes les équipes devaient partir à la lumière du jour, mais. Malheureusement, la météo a joué des tours. Et pour ce qui est de la suite, ben, voilà, c'est une composante du cyclisme, les routes glissantes, la météo. Et moi, je me suis un peu prononcé sur ce que j'ai vu, sur la neutralisation demandée par les coureurs de Jumbo notamment. Et j'étais en défaveur, pas trop d'accord, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. En amont de tout ça. Et puis, ben, voilà, je trouve que ça fait tout simplement partie de la course. Et tout ne doit pas être limpide et linéaire sur un grand tour. Il y a 21 étapes. Et je pense que, voilà, ça fait partie aussi de la course, quelque part, cette petite dramaturgie.
Pour moi, c'était un peu trop, ouais. Ouais, on a tendance à l'oublier, bien sûr, la sécurité des coureurs avant tout, Mika, mais aujourd'hui, on a tendance à oublier, je disais, que le cyclisme est un sport d'extérieur, et qui dit extérieur dit conditions météo un petit peu plus compliquées. On a l'impression que maintenant, dès qu'il fait un peu froid, dès qu'il pleut, ça râle dans le peloton. Voilà, c'est le constat un peu que j'en fais aussi, hein. Moi, je suis On est des vieux cons, hein, c'est pour ça, je pense qu'on dit ça comme ça, mais ça fait Non. bizarre. Non, mais bon, on a tendance à voir un cyclisme un peu plus robotisé aujourd'hui, Ouais. avec des données qui prédominent, des rapports poids-puissance. Et je l'avais dit un peu de manière ironique, mais s'il s'agit seulement de rapports poids-puissance, on fait la course sur Swift ou sur un circuit de Formule 1 et sur route sèche, quoi. Mais voilà, ça a toujours fait partie. Et je pense que moi, quand je suis passé pro, on ne parlait pas de ces conditions, on ne parlait pas de temps de sécurité. Alors oui, il y a eu des drames qui sont arrivés très malheureusement depuis. Mais voilà, là, ce que je dis doit rester dans le contexte, mais je trouve qu'on en fait toujours un petit peu trop. Et en plus, ça vient des équipes qui dominent les courses, les débats. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de concertation. Et nous, de notre côté, on a toujours été agile sur le vélo. Moi, j'ai toujours été partisan. Vous vous en remémorerez sans doute, mais Romain Bardet a pu s'immiscer sur la deuxième place du podium grâce à une descente aussi glissante. Et ça fait partie de l'histoire du vélo aussi. Donc, si ce jour-là, on avait neutralisé la descente de Domancy, il n'aurait pas fait deuxième, mais cinquième du général. Donc, Eh oui, justement, on en parlera tout à l'heure. On a les images, hein, bien sûr, tu t'en doutes, Mika. On a préparé tout ça avec ces images de toi lançant Romain Bardet vers cette victoire et vers ce podium sur le Tour de France. Au niveau de ta formation AG2R Citroën, on a eu un bon départ avec notamment l'Italien Andrea Vandramé qui était allé prendre la troisième place sur la deuxième étape à Barcelone. Et puis depuis, c'est un petit peu plus compliqué. On le voit, on essaie de prendre les échappées avec Dorian Godon, mais c'est pas évident. ouais, c'est pas évident. Les échappées sont extrêmement difficiles à prendre. Il ne s'agit pas seulement de vouloir la prendre, mais d'avoir les ressources physiques pour y parvenir. Et ouais, on avait fait un bon départ avec Andrea Vandramé, son maillot vert. On s'est battu aussi pour aller récolter quelques points. On avait imaginé une suite un peu meilleure. Et puis, ouais, on subit la course et malgré la motivation qui reste présente, mais voilà, les débats sont pas terminés et on espère faire face sur ces dernières étapes pour qu'on voit du maillot AG2R Citroën à l'avant de la course. C'est important pour nous. Il y a beaucoup de monde hein, sur le live YouTube, beaucoup de questions, beaucoup de réactions pour toi. Fabien Pellerin, que l'on salue, supporter de Normandie, qui dit qu'il a commencé avec toi à la Roue d'Or, Fabien Pellerin. Les supporters du Sud également, puisque tu résides dans le Sud de la France, qui sont là et qui t'envoient du soleil en Espagne, parce qu'on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Tu parlais tout à l'heure des équipes dominantes. Bah, il y a des questions dans ce sens. Bien sûr, tu vois de qui on veut parler, la formation Jumbo-Visma, qui fait énormément de bruit sur cette Vuelta. Ils sont 1, 2, 3 au classement général après 15 étapes. Comment toi, de l'intérieur, tu vis cette domination de la part des guêpes, des abeilles, on ne sait plus comment les appeler? Bah, c'est difficile de me prononcer vis-à-vis de tout ça. En tout cas, je vois que ils sont toujours là quand la bataille se fait. Ils sont quasiment au complet. Hier, la bataille pour l'échappée a duré environ 80 km et ils étaient tous présents à l'avant. Il restait plus que 50-60 mecs dans le peloton. Et bon, voilà, il y a toujours eu des dominations dans le vélo, mais là, elle est d'ordre collectif. Et c'est vrai que oui, pour les téléspectateurs, et pour nous aussi, elle a tendance à interpeller, mais faudrait analyser ce qui se fait en amont. Je pense que voilà, la préparation est très méticuleuse et le travail doit être acharné. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi, qui suis coureur et dans le peloton, si je commence à avoir des pensées douteuses, je ne vais pas m'en sortir. Donc Oui. peut-être que j'aurai dans une dizaine ou 2 jours ou un peu plus tard le recul nécessaire pour penser et dire des choses. Mais en tout cas, là, nous, coureurs, on ne doit surtout pas commencer à penser
que ceux qui nous tapent dessus puissent être dopés ou je ne sais quoi. Ouais, non, bien sûr, on n'est pas là pour parler de ça. Bien sûr, on parle vraiment de la domination de l'équipe. Est-ce que toi, en carrière, en 17 ans de carrière, tu as vu comme ça une domination collective? On a souvent eu le rapport, nous, sur le plateau d'Eurosport, de la formation US Postal, mais on sait ce qui s'est passé derrière. Ça t'évoque d'autres souvenirs, toi? On a vu une petite décennie la domination d'Ineos, mais Oui. c'était différent, c'était un peu différent, mais en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, dans le sport, il y a toujours eu des athlètes qui ont dominé leur génération, leur époque, et aujourd'hui, c'est la jumbo, et c'est vrai que nous, Français, on a tendance à aimer le deuxième, le combattant, le C'est vrai. courageux, et on n'aime pas trop les vainqueurs. Donc, ça fait partie du sport de manière générale, mais Ouais. ouais, pour moi, c'est difficile de répondre à ce genre de questions. C'est plutôt bien résumé. Qui va remporter cette Vuelta selon toi? Bah, l'un des trois, Mais qui? là, ils sont à l'hôtel avec nous, ils sont peut-être en train de tirer à la Ah, courte paille, c'est là, vrai, tu je crois? sais pas. Mais Sepkus paraît, il a quand même une belle longueur d'avance et Ouais. je pense pas que les prochaines ascensions lui soient défavorables. Ça te ferait plaisir à toi, un coéquipier, un homme de l'ombre, un petit peu à l'image d'un Sepkus qui travaille pour les autres, qui soit récompensé? Ça serait une belle image. Ouais, parce que franchement, il a l'air cool, hein, un Américain chill comme on dit. Il est super relax et il paraît détaché aussi. Il paraît très ouvert sur le milieu extérieur, la nature, tout Ouais. ça. Donc ouais, j'avoue que ça me ferait plaisir. Ouais. Ouais, Sepkus, donc le favori de Mika Scherel dans cette course au trio. Tu sais, nous dans Bistro Vélo, on aime bien faire des surprises à nos invités. Il y a Lucas, l'attaché de presse de ta formation, qui est à côté de toi, qui a des petites vidéos. On va commencer avec la première, quelqu'un que tu connais très bien. Lui, il te connaît encore mieux. C'est un certain Paul Lapeyra avec qui tu fais équipe sur cette Vuelta. Je te propose d'écouter sa question et d'y répondre juste derrière. Salut Mika, j'espère que tu as bien profité de ta sieste. Dis-moi, qu'est-ce qui te manquera le plus la saison prochaine entre les chronos ou les étapes à plus de 5000 de dénivelé? Qu'est-ce qui te manquera le plus? Ah, je dirais la question, Polo, elle est vite répondue. Je suis quand même censé être un grimpeur, même si je ne suis pas toujours à l'avant quand il s'agit de grimper, mais ouais, j'ai toujours apprécié les étapes de montagne et les grands tours de manière générale. Ça fait partie pleinement de ce que j'aime dans le cyclisme, hein. Ici, on a vu des ascensions avec en plus, là, on est quand même dans une région qui aime le vélo, qui vit vélo et tous ces supporters basques. Hier, j'y ai un petit peu pensé. Je me suis dit, bon, mon gars, tu reverras plus ça à l'entraînement, tous Ouais. ces drapeaux, tous ces gens qui crient et. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être me manquer, mais tous ces souvenirs resteront indélébiles et ça m'a construit moi en tant qu'homme et ça restera gravé en moi tout ça. Donc il y a rien particulièrement qui me manquera en fait. Je sais que dimanche soir à Madrid, je clorerai ce chapitre de ma vie et j'en ouvrirai un nouveau. Ouais. Et j'aurais apprécié pleinement ce que j'aurais fait pendant ces 17 années. Et tu as totalement raison. Ça te fait quoi de partager cette dernière aventure avec l'autre gamin de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Paul Lapeyra? On a vu les photos, hein, cette histoire qui vous lie. T'es son idole, il court avec toi maintenant. Les photos parlent d'elles-mêmes. Ça apporte quelque chose de plus à cette fin d'aventure? Ouais, c'est clair. Bah, je suis là pour l'aider, le rassurer, au même titre que cet autre coéquipier, mais qui sont un peu plus aguerris. Mais Paul, ouais, j'essaie de l'aider au maximum parce que c'est un jeune que je connais. Je ne vais pas répéter l'histoire, mais pour être bref, je le connais depuis ses 8 ans, Ouais. 8-9 ans. Et c'est un gamin à qui j'avais donné des maillots à l'époque. De suite, il m'a dit, j'ai des posters de toi dans ma chambre. Et je dis, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi pas Chavanel, Jalabert ou je ne sais qui, ou Contador? Et ça m'avait profondément touché. Et depuis, ben, je l'ai pris sous mon aile.
Et j'essaie de lui dissiper un petit peu ses craintes parce que sur son premier grand tour, malheureusement, il avait souffert d'un virus sur le dernier Giro d'Italia. Et du coup, il est un petit peu encore dans l'appréhension. Mais là, en dernière semaine, je pense qu'il faut qu'il se libère pleinement et il a les ressources pour faire quelque chose. Il a été taquin quand même un petit peu parce qu'il a parlé du contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est pas ce que tu aimes le plus, Mika, on va pas se mentir, en 17 ans de carrière. Non, non, je voulais, tu vois, j'ai esquivé, je voulais pas trop en parler Mais tu sais, nous, on est allé regarder. Moi, je me suis amusé comme ça. J'ai fait mes petites fiches, 17 ans de carrière. Mika, est-ce que tu sais la meilleure place que tu as fait sur un contre-la-montre depuis 2007? Voilà, c'est là, tu ouais, c'est T'as une petite idée ou pas? peut-être que c'est un contre-la-montre en bosse au jet sur un prologue du Dauphiné, non? Non, Ou... je compte pas les prologues parce que vraiment le contre-la-montre, le prologue, ça compte pas. Alors le Alors, c'est contre-la-montre, il faut remonter très loin. Ah mince, non, mais franchement, on peut passer à la question suivante, non? On va juste le dire pour les gens, ça va leur faire plaisir. C'était en 2007. Eh oui, 2007 sur les championnats de France du contre-la-montre. Ça doit être d'ailleurs la seule fois où tu y as participé. Tu avais terminé 40e. Malheureusement, il n'y avait personne derrière toi. Ah mince, ouais. L'anecdote est sympathique, ouais. Voilà, tu le sauras, c'est 40e d'un contre-la-montre en 2007, ta meilleure place sur l'exercice. Tu t'es rattrapé en montagne, t'inquiète pas. Allez. Merci. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est un exercice qui me convenait bien avant de passer pro. Et je ne sais pas, j'ai eu un blocage psychologique ou physiologique. Je ne sais pas, la position sur le vélo de chrono, ça m'est jamais allé. Et puis, en fait, bah voilà, j'ai réussi à faire 17 ans de carrière en étant nul Et au oui. chrono. Et voilà, je suis bien content que tout cela soit dernière moi maintenant. Et c'est vrai que bah, chez les jeunes, ça se passait bien, hein. Tu avais été champion de France sur route junior en 2003, et puis dans l'exercice du contre-la-montre, tu n'étais pas maladroit. On va prendre une autre question à un directeur sportif cette fois, dans cette formation AG2R Citroën, qui te connaît bien, que tu connais bien, un certain Julien Jordi qu'on écoute. Petite question, Mika. Comme tu le sais, souvent je t'interpelle, je te demande des informations sur les coureurs présents de peloton ou les anciens coureurs, les jeunes catégories. Souvent je t'appelle Jean-Paul Olivier. Et je voulais savoir comment te vient cette extraordinaire mémoire de savoir le palmarès des coureurs professionnels, des cadets, des juniors, des espoirs. Voilà, tu es une vraie encyclopédie du cyclisme et je voulais savoir comment tu fais pour enregistrer tous ces palmarès. Polo Ouais, la bah, science, Mika la science. non, mais je ne sais pas si j'ai du sang de Daniel Mangias en moi, mais en tout cas, ouais, je suis un véritable passionné de mon sport, du vélo, depuis l'âge de 12 ans. Et ouais, je regarde les résultats, j'ai une mémoire visuelle et voilà, j'imprime. Et puis, c'est quelque chose qui me plaît. En fait, j'ai toujours été... intéressé par l'évolution des jeunes au sein du peloton, la jeune génération. Encore là tout récemment, bah, je regarde les résultats du Grand Prix Rubiland, par exemple, gagné par Léo Ebisio, un jeune de la U19 à G2R, Ouais. Citroën. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît tout simplement. Et puis, je pense que ça me sert aussi bah, déjà à échanger avec quelques membres du staff de la direction quelquefois ou quand je me retrouve au sein d'une échappée, voilà, je sais sur qui j'ai affaire, quoi. On prend des questions sur la YouTube avec Jeannot qui te demande, Mika, en 17 ans de carrière, qui est le coureur qui t'a le plus impressionné? Bah, je dirais Remco en fait. Hein. Là, c'est de l'ordre du contemporain. Ouais, il est incroyable parce que il est tout simplement taillé pour rouler vite, quoi. Des grosses cuisses puissantes, un petit corps pour être aéro, une souplesse aussi bah, voilà, pour garder la position. Franchement, il est tout simplement incroyable et je voue beaucoup d'admiration pour lui parce qu'en plus, il est très très respectueux et j'ai eu
Bon nombre d'échanges avec lui et franchement, je lui voue un grand respect. Ouais, Remco Evenepoel, hein, qui a remporté déjà deux étapes sur cette Vuelta. La dernière, c'était devant un copain à toi, un certain Romain Bardet. C'était tout récent, hein, c'était ce week-end. Ils ont fait un beau duo. J'imagine que tu aurais bien aimé être à la place de Remco Evenepoel avec Romain dans cette chevauchée fantastique, hein. Ils sont partis loin, hein, à 80 km de l'arrivée. Donc Remco Evenepoel qui est allé s'imposer. Romain Bardet, forcément, il y a beaucoup de questions. Ta relation avec Romain, on en a beaucoup parlé. Tu en as beaucoup parlé. Ces années passées ensemble sous le même maillot. Et puis cette étape, tu en as parlé tout à l'heure en prélude, le Tour de France 2016, qui restera associée à ta carrière, Mika. T'en es conscient de ça? Ouais, c'est fou, hein. C'est fou qu'on retienne de 17 ans de carrière une descente de 2 C'est kilomètres. dingue, c'est dingue, ouais. Dingue, c'est dingue, mais ouais, c'est comme ça, hein. Faut, voilà, comment dire, j'ai beaucoup d'autodérision aussi et je suis un grimpeur, mais j'ai écrit ma carrière en descente, donc ouais, c'est chouette, quoi. Avec Romain sur cette Vuelta, vous avez pu discuter un petit peu. Vous êtes, ça serait bien une petite échappée à deux peut-être pour terminer le travail. Ce serait sympa, ce serait beau. Ouais, tous les jours, il me dit bon, on y va, mais je lui dis j'essaie, mais au moment où la décision se fait, je manque un peu de jambes, mais voilà, je ne désespère pas et je suis un éternel optimiste et je me dis que ça va finir par sourire. Là, il reste plus beaucoup de chance, mais j'espère faire une belle étape. Oui, pourquoi pas à ses côtés, c'est clair. Tu as un programme de course après la Vuelta? Alors, non, non, non. Et je remercie vivement mon équipe qui m'a offert l'opportunité de terminer à Madrid. C'était une demande que j'avais formulée D'accord. auprès de la direction et on me l'a accordée. Bah, je suis plein de reconnaissance vis-à-vis de ça parce que c'est mon 19e grand tour. Pour moi, chaque arrivée de grand tour est magique. Et on ressent toujours un sentiment de fierté en passant une ligne d'arrivée finale sur un grand tour et bah, qui plus est auprès de ma famille qui sera là à Madrid. Donc voilà, pour tout ça, je leur dis merci parce que c'est une chance inoubliable, enfin, qui restera. Ma dernière course sera la Vuelta, quoi. C'est mieux que terminer ouais, sur toute autre course, quoi, c'est clair. Beaucoup de questions, hein, qui se posent sur ta retraite, Mika. Tu t'en doutes. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? Est-ce que tu as des petites idées? Est-ce que tu peux nous donner une exclue, peut-être? Je ne sais pas. Non, il n'y aura pas d'exclus. Bah, j'ai des idées, oui, forcément. Déjà, je vais essayer de bien faire les choses. Et je pense que pour le futur retraité que je suis, qui a jamais travaillé dans la vie active, déjà, je vais essayer de me former. Je vais commencer une formation au Centre de droit d'économie du sport à Limoges, alors qui est OK. dispensée en plusieurs modules, mais qui commencera le 2 octobre à Paris. Donc voilà, il faut que je me dépêche pour acheter trousse, stylo On peut prendre ça aux enfants, sinon. et des cahiers. Ouais, mais bon, je pense qu'ils ne seront pas contents. Mais en tout cas, voilà, je retrouverai les bancs de l'école ben, plus de quasiment 20 ans après mes études, quoi. Tu souhaites pas rester dans le milieu, du moins tout de suite, tu y reviendras peut-être un peu plus tard? Si, je souhaite que la transition se fasse le plus rapidement possible. Je ressens pas le besoin de prendre une année sabbatique ou D'accord. c'est pour ça que, pour être honnête, j'ai formulé ma candidature et ma lettre de motivation durant le Tour de Suisse cette année pour cette école et c'était mon premier objectif. Et ben voilà, je ne sais pas encore concrètement là où il m'amènera, mais c'est du management du sport, c'est pour rester dans le milieu du vélo. Et évidemment, tu dois t'en douter, mon choix numéro un serait de rester dans mon équipe qui m'est chère. Donc, Oui, ça peut se comprendre. Justement, en parlant d'après-carrière, avec quelqu'un, bah lui qui a entamé son après-carrière, quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Steve Chenel qui a une question pour toi. Salut Mika, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette Vuelta se passe bien et que tu profites de tes derniers instants sur un grand tour. Bah déjà, félicitations pour toute ta carrière. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer la longévité, les efforts que ça demande, tant pour l'athlète, pour nous, hein, que pour la famille. En tout cas, je tenais vraiment à te féliciter et puis je voulais te poser quand même une petite question. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres sports?
Tu vois, parce qu'avec les gamins, je sais que tes deux enfants t'attendent impatiemment. Y a le vélo, il y a le foot, il y a le basket, l'éternelle jeunesse, comme on dit. Est-ce que tu vas pratiquer un autre sport en compétition? Salut Mika. Ouais, j'ai clairement plein d'envie, mais j'ai aussi l'envie de poursuivre le vélo de manière régulière, hein. C'est un sport qui est chronophage, donc clairement, je ne roulerai pas 15 heures chaque semaine, mais en tout cas, je compte continuer à rouler avec mes copains, mes potes d'entraînement autour de Nice. Peut-être qu'on aura l'occasion de rouler ensemble, d'ailleurs, Colin. Bah depuis le temps qu'on doit le faire, on l'a toujours pas fait. Moi, j'attends, hein, je suis prêt, je m'entraîne tous les jours rien que pour ça. Voilà, mais sinon, non, j'aimerais partager aussi des moments avec mon épouse Pascaline, pourquoi pas du paddle, du tennis. Non, j'ai plein d'envies. Et puis, voilà, peut-être la course à pied. En tout cas, je resterai en activité physique, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, forcément. Toi qui as couru un peu partout à travers le monde, tu as couru sur les cinq continents, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Europe, bien sûr. C'est quoi le plus beau terrain de jeu pour toi? Bah, en France, on a quand même un super terrain de jeu avec, quatre massifs montagneux, cinq, pardon. Mes cours de géographie sont loin. Ouais, on a un super terrain de jeu, hein, franchement. Après, j'ai aimé l'ambiance que j'avais trouvée autour d'un under en Australie ou sur les Grands Prix canadiens qui viennent de se dérouler là à Québec-Montréal. Autour de Californie aussi, c'est une ambiance ultra festive, ultra On est plus le détendu quand on sort d'Europe pour les coureurs, j'ai l'impression. Ouais, aussi, ouais, il y a ce côté exotique. Mes premières années, j'ai aussi fait le tour du Gabon. Donc, voilà, c'est une ambiance aussi particulière. Je suis vraiment très, très heureux de vivre ça. J'avais un petit peu moins apprécié le tour de Pékin, malgré que d'un point de vue performance, il s'était bien déroulé. Voilà, mais les pays où la culture de vélo est bien présente, c'est toujours agréable. Et c'est ça aussi peut-être qui te manquera, ces voyages à travers le monde. Vous êtes tout le temps entre deux avions ou alors pas, parce qu'on restera avec la famille, comme tu le dis, et on en profitera un peu plus. Non, mais j'ai envie de rester dans le milieu du vélo, donc je pense que les déplacements professionnels resteront d'actualité. Et puis, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai construit mon équilibre familial autour de ça. Donc, voilà, mes allers-retours incessants, tout le monde s'en accommode, ma femme, mes deux enfants. Donc, voilà, je pense que c'est un véritable privilège d'avoir autant voyagé. À 37 ans, j'allais dire mon jeune âge, mais non, dans le sujet de l'émission, c'est que je suis trop vieux, que je pars en retraite. Mais C'est pas trop vieux quand tu regardes, il y a Luis León Sánchez qui l'a annoncé aujourd'hui 40 ans, mais il y en a plus. T'es loin d'être le plus vieux coureur du peloton, je te rassure. Même sur cette Vuelta, il y a beaucoup plus vieux que toi, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, en tout cas, voilà, c'est vraiment une vie de privilégié que j'ai vécue pendant 17 ans et le voyage en aura fait partie, ouais. Tout a commencé en Normandie, on le rappelle, à Saint-Hilaire du Harcouët. La Normandie au Tour de Romandie, troisième étape du Tour de Romandie 2011. Forcément, je suis obligé de revenir là-dessus. Une image qui a beaucoup fait parler. On le rappelle, la carrière professionnelle, malheureusement, tu n'as pas réussi à débloquer le compteur victoire. Mais ce jour-là, tu es passé à ça, face à un certain Vinokourov, qui d'ailleurs, hier à Nice, est allé chercher un titre de champion du monde master sur l'Ironman. Il y a de quoi faire encore. C'est vrai, ouais, c'est. Bah, si à l'époque, en 2011, hein, j'avais su que ça serait ma dernière chance de victoire, je sais pas, je l'aurais peut-être joué un petit peu différemment, mais ce jour-là, on arrive à trois au sprint, c'était détaché dans les derniers kilomètres avec Tony Martin et Vinokourov, ce qui n'est pas rien. Et Ouais, je confirme. J'avais tenté de me faufiler entre les barrières et Vinokourov. Il avait un peu écarté les coudes et un des célèbres sponsors romands du Tour de Romandie, le PMU romand, avec ses grosses mains là, les spectateurs, ils avaient Oui. toutes grosses mains sur le bord de la route le long des barrières. Et en fait, bah, j'avais pas osé quoi. Elles étaient trop proches de moi et j'avais pas osé passer. Et pourtant, j'avais la force dans les jambes pour le passer ce jour-là, mais bon, j'avais pris un mauvais choix en passant à gauche, mais bon, c'est comme ça.
Un petit jeune, cette fois, un certain Valentin Paré-Peintre. Il y a la fratrie Paré-Peintre dans cette formation. Tu as partagé du Giro avec ses garçons. Et Valentin, il avait une question à te poser. Salut Colin, salut Mika, salut tout le monde. Bon Mika, j'espère que tu profites bien de ta dernière journée de repos sur un grand tour. Moi, j'ai une petite question pour toi, je vais te faire réfléchir. Je voulais savoir, selon toi, quelle était la plus grande innovation qu'il y a eu dans le cyclisme depuis que tu es passé professionnel. Ah, ça peut être les roues, le compteur, le matériel en général, le staff, n'importe quoi. C'est vrai qu'en 17 ans, j'ai vu le vélo, le cyclisme professionnel vraiment évoluer. Je dirais que, en fait, ouais, je l'ai dit à Louis-Pierre Frileux hier lors d'une interview, mais chaque année, j'ai essayé de chercher des leviers de progression. Mmh. Et parmi l'évolution, là, ça fait un peu moins d'un an que je pèse mes aliments. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé faire à l'époque. Mais voilà, ça, la nutrition fait partie des évolutions. Là, depuis cette année, on a des matelas aussi qui nous suivent dans chaque hôtel. D'accord. Pour qu'on dorme sur la même surface tous les soirs, que le sommeil soit de meilleure qualité. Tout ça, voilà, c'est des choses qui ont évolué au fur et à mesure des années. Et, ça rend que le cyclisme aujourd'hui, tout va plus vite. Et voilà, on n'est pas les seuls à agir de la sorte, et malheureusement d'ailleurs, mais voilà, ça fait partie à élever le niveau, ça contribue à élever le niveau. On dit, Mika, que le cyclisme, c'est devenu de la science un petit peu, t'es d'accord avec ça? Ben, j'aime pas vraiment cette approche, mais... Moi non plus, mais c'est ce qu'on dit. Mais ouais, je vais pas jouer le romantique, mais ouais, pour moi, les grandes images du cyclisme... elles ne se sont pas faites de manière robotisée comme on peut le voir parfois de nos jours. J'aime les attaques de loin. Bon, clairement, Remco, il gagne avant-hier. Hier, il attaque dès le kilomètre zéro, quoi. Enfin, ça, franchement, c'est... Alors, je pense que si j'avais eu les jambes, les ressources physiques ou le talent d'un tel coureur, j'aurais eu son panache. C'est plus facile d'avoir du panache... quand on a les qualités physiques derrière, mais franchement, ce coureur, il m'épate, quoi. Et c'est ce cyclisme-là que j'aime voir. Cyclisme voilà. Offensif, ouais, non calculé. Exactement, ouais. Effectivement. L'innovation matérielle, on en a parlé. C'est vrai que bah, les disques, les patins, toi, tu as vécu la transition, la diététique, tu en parlais. Le temps presse, le temps passe surtout. On va passer au Bistro News avec le Grand Prix de Montréal dont tu parlais tout à l'heure. Tu y as participé, la victoire d'Adam Yates qui s'est faite hier dans un sprint à deux avec son futur coéquipier Pavel Sivakov pour la formation Ineos. A noté la 7e place de Ben O'Connor pour la formation AG2R Citroën. Une belle place, Ben O'Connor, un garçon qui... Bah, qui grimpe bien, qui a été malchanceux également cette saison. Ouais, c'est clair. C'est un super coureur. C'est vrai qu'hier, il avait l'opportunité de faire un petit peu mieux que septième. Il avait de super jambes, mais voilà, le niveau a été très, très relevé sur ce Grand Prix de Montréal. Et il rapporte de précieux points pour notre équipe. Et ça, c'est important aussi. La fameuse course au point, autre image, il y avait le Grand Prix de Fourmies avec la victoire cette fois au sprint un peu plus classique hein, de Tim Merlier, le coéquipier de Remco Evenepoel devant Gerben Tyson et Matteo Moschetti. Voilà pour être complet. Puis il y a la reine anémique Van Vleuten qui a tiré sa révérence. Décidément, c'est une année de retraité avec les Thibaut Pinot, avec les Mika Schérel. On ne va plus reconnaître le peloton la saison prochaine. On va passer au questionnaire de Bistro Vélo, Mika, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton meilleur pote dans le vélo? C'est Romain, mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est entériné. Romain Bardet. Est-ce que tu avais, étant plus jeune, un idole, que ce soit un sportif, un chanteur, peut-être un acteur, quelqu'un que tu appréciais? Tu avais peut-être des posters dans ta chambre. Alors, les idoles, ouais, avant 12 ans, j'étais vraiment à fond dans le football. Et mon idole, c'était un gardien hollandais qui s'appelle Edwin van der Sar. Van der Sar, mais oui. Voilà, il y avait aussi Chris Waddle, Basile Boli, la génération OM 91 quoi. Supporter de l'OM, Mika Schérel? Non, pas franchement, mais à l'époque j'aimais beaucoup et c'était mon club préféré. Après supporter, non, pas plus que ça.
Pas plus que ça. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir dans le vélo? Pas évident, hein. Meilleur souvenir, non, c'est pas évident d'en sélectionner un parce que, ben, ouais, je le répète, en fait, c'est cette vie de coureur cycliste professionnel que j'ai aimé. C'était mon rêve quand j'ai commencé le vélo à 12 ans. Et voilà, j'y suis parvenu et j'ai vécu franchement de grandes émotions. Et ouais, c'est difficile d'en sélectionner un, en fait. C'est une aventure que j'ai vécu en famille aussi, et ça c'est une grande fierté, c'est que bah, j'ai eu mes enfants jeunes et ils m'ont accompagné avec mon épouse Pascaline, et ça franchement ça nous laissera à tous les quatre des souvenirs plein la tête, et ça a été super agréable et une grande fierté de partager ça tous ensemble. Et puis tu verras, Mika, le meilleur reste à venir, on n'en doute pas, hein. Tu en parles à tous les jeunes retraités comme toi, tu vas t'épanouir pleinement vu la mentalité, je me fais pas de soucis pour toi. A contrario, ton pire souvenir dans le vélo, s'il y en a un qu'on doit sélectionner, une chute peut-être, un événement tragique. Ben, franchement, mon abandon cette année sur le Giro a été douloureux parce que j'ai souffert d'un virus sur les intestins qui m'a complètement affaibli. J'étais sans force pendant 3 jours, j'ai fini par abandonner. Je me suis accroché en pensant qu'il y aurait des jours meilleurs, et puis finalement bah voilà, c'est pas arrivé, et c'était une année charnière. Je m'étais dit que j'allais décider de la suite, réfléchir à la suite après ce Giro là. L'ambition, l'objectif premier, ça aurait été de terminer sur les championnats de France à Saint-Martin-Landel en 2024. Ouais. Et après cet épisode douloureux, ben, tout s'est remis en question, et voilà, donc ça a été un moment assez dur à vivre de rentrer à la maison alors que mes copains étaient encore en train de batailler en Italie. Voilà, cette période de ma carrière, c'était difficile. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière, Mika? Un regret, peut-être, ouais, mes premières années de ne pas avoir été assez professionnel, assez mûr psychologiquement pour comprendre tous les rouages du métier. C'est vrai que quand je vois les jeunes arriver aujourd'hui, ils savent où ils veulent aller, et moi à l'époque, bah, j'étais déjà super content de faire partie de l'élite du cyclisme au sein de la Française des Jeux à l'époque. Et je ne me suis pas donné les moyens de devenir le coureur que je voulais être. Et après, on sait que le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc, ben, par chance, Vincent Lavenu m'a tendu la main en 2011. Et j'ai saisi cette opportunité de remettre les compteurs à zéro et de trouver ma place. Et par la suite, ben voilà, le fait que Romain, notre leader emblématique d'équipe, soit là, ben ça m'a fait énormément progresser, et je suis devenu l'équipier que je suis maintenant, en partie grâce à lui aussi. Donc voilà, le regret, c'est plutôt par rapport à mon début de carrière. Ouais. Si j'avais à refaire, je le ferais peut-être différemment. Justement, Vincent Lavenu, ton manager un petit peu de toujours, tu as eu un échange avec lui, tu as envoyé un petit mot, peut-être que vous avez prévu d'en discuter après dimanche. Oui, bien sûr, bah, des échanges, oui, j'en ai avec Vincent. C'est une figure paternaliste, hein, pour nous. Ça fait 12 ans que je suis, enfin depuis 2011 que je suis dans son équipe. Donc, il a toujours été bienveillant, au même titre que Julien Jourdi. Mais Julien, voilà, Jourdi, il a changé depuis qu'il passe sur Netflix, tu ne trouves pas? Je ne sais pas si j'aurai la chance d'être tatoué sur une partie de son bras. Mais oui. Voilà, mais il me laisse, voilà, il me reste encore 4 jours pour avoir cette chance. Ok. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu nous l'as expliqué. J'avais préparé cette petite question. Je te propose de découvrir le programme TV vélo de cette semaine qui s'annonce encore riche sur Eurosport avec Dès Demain. Et oui, on va te suivre à la 16e étape de la Vuelta Playa Liencres. Vous allez partir en bord de mer direction Béjes avec une arrivée pour Puncher à partir de 14h30. Le Grand Prix de Wallonie mercredi. Le Tour de Romandie féminin qui va démarrer vendredi. On va te laisser le mot de la fin, à Mickaël Chérel. Tu vas pouvoir t'exprimer. On te laisse 30 secondes. C'est ta carte blanche. Tu vas, en 30 secondes, nous expliquer ce que représente le vélo pour toi. Elle n'est pas facile, celle-là. Ah ouais, là, on ne m'avait pas préparé. Là, on ne m'avait pas prévenu. C'est de l'impro, c'est comme ça. C'est toujours meilleur. Ouais, non.
Ce que j'aurais à dire, c'est que voilà, moi j'étais un jeune licencié, j'ai débuté à la roue d'Orteillelaise à 12 ans et à l'époque, voilà, je voulais devenir coureur cycliste professionnel. Et voilà, la vie m'a offert une place de rêve et je m'en suis donné les moyens. Mais voilà, je pense qu'il faut, je m'adresse aux jeunes coureurs cyclistes et je pense qu'il faut croire en ses rêves, tout est possible. Et malgré, moi j'ai commencé le vélo en 1998, donc le vélo n'avait pas bonne presse, mais malgré tout, j'ai jamais cessé d'y croire. Et là, je m'adresserai aux parents de ces jeunes coureurs cyclistes. Franchement, c'est un sport où, où on trouve un équilibre, un bien-être. Franchement, accompagnez vos jeunes et pour qu'ils puissent chasser leurs rêves comme moi j'y suis parvenu. Pas mieux, on en reste là. Merci beaucoup, Mika, d'avoir été l'invité de Bistro Vélo. On va te suivre sur cette dernière semaine de course professionnelle en carrière pour toi avec cette formation AG2R Citroën. Et nous, on se retrouve lundi prochain dans un nouveau numéro de Bistro Vélo. Bye bye.